On n'a pas beaucoup de ressources, c'est quand même dérangeant ça. On n'a pas beaucoup de ressources plutôt. On peine à mettre beaucoup d'or, on n'a pas des grands gisements d'or comme dans notre précédente. Ouais, il y a eu un chat. Il y avait des canons à bombarde. Ça va commencer à se compliquer si quand s'envoyer l'artillerie quoi. A savoir que pour ceux que ça intéresse, il y a un mode qui existe sur Workshop, c'est vous pouvez mettre les technologies dans comme infanterie, en une liste de production. Pour ceux que ça intéresse. Je trouve pas ça très utile en soi. À partir du moment où vous êtes un peu prudent, vous oubliez pas en fait. Bon, ça peut être utile pour certaines personnes quand ils vont lancer plein de technologies d'affilée. Maintenant, il nous faut nos trébuchets. Pour notamment ça. Le premier trébuchet en construction. On va essayer de les protéger au maximum parce qu'ils ont un coût un peu trop important pour nous. Donc là on va faire un deuxième château ici, comme ça on aura deux châteaux qui protégeront entièrement le côté droit. Du fait qu'ils peuvent plus passer avec les murs directement ici. Ça les oblige à passer par ailleurs et ça nous arrange. Parce qu'au final ils passent aux endroits où on peut se défendre avec notamment assez de matériel. Par contre, il y a une recherche qui serait vraiment ultime avant de lancer l'assaut, ça serait d'avoir celle-ci. Voilà, parfait. Guerrier glorieux, ça va nous apporter un de ses avantages. Les guerriers aigle avec 8, 9, 17 d'attaque. C'est légèrement dangereux. Voilà, donc là maintenant on progresse lentement. Ici on va récupérer l'or qu'on a en réserve par chez nous. Et on essaie d'abuser de nos châteaux. Là, je vais refaire quelques unités pour m'occuper des...
Par contre, pour la chasse aux villageois, c'est tellement agréable. Les guerriers sont tellement rapides que c'est... Ça en vient indécent qu'on fait une chasse aux villageois. Ouais, ils ont 4 de protection perçage de base. Petit rappel, protection perçage, c'est contre les attaques à distance. Ça s'applique. Ah oui, mais moi nous aussi, je voulais terrasser de vitesse. Là on va essayer de se replier avec notre armée pendant qu'il y a encore temps. But repli stratégique. Voilà. On va chercher médecine des plantes. Ça va être 350 ou 450 médecine des plantes. C'est ça, 350, ouais. Par contre, pour chasser les moines, les guerriers sont tellement pratiques. Ouais, 27 d'or par voyage. C'est indécent, 27 d'or par voyage. Voilà. Ah non, on va pouvoir faire cette recherche. Voilà, 8. En fait, leur avantage contre la cavalerie, c'est qu'ils sont assez rapides et ils peuvent les chasser. C'est surtout ça, je pense, leur avantage qu'ils ont contre. Parce qu'en soi, je trouve pas que c'est une unité vraiment très, très puissante contre, honnêtement. Ah oui, ils avaient bien deux forums. Ah bah voilà, on a trouvé des vrais soucis. Et maintenant, ils vont aller là-haut. Ouais, il capitule. Parfait. Voilà. Ça c'est fini, cette guerre. On a plein de nous en occuper. Maintenant, on met ça ici et nous on va préparer notre nouvelle attaque. Ah bah parfait, je suis arrivé vite de pop, j'ai même pas fait gaffe. C'est parfait ça.
Klaxka ont été battus. Ouais. Pas encore. Ah, ils sont sans... Si ils sont en bonne santé, c'est bon quoi. 14 10 chevaux espagnols. Bon, on va essayer de les capturer quand même. Je crois pas qu'il y en ait encore assez. Après, on va pas se mentir, mais ça sonne vite quand même avec cette technologie. 4 fois plus rapidement des bâtiments, c'est. C'est pas déplaisant en soi. Donc là, normalement, le choix de la logique, c'est vu qu'ici c'est déjà pas mal endommagé, c'est que vous attaquez normalement par rien en fait. Vous venez ici avec des trébuchets, vous démolissez ça, ça, et le forum, et vous êtes directement. Après, vous pouvez attaquer aussi au sud de leur fortification. Vous arriverez directement en fait sur la production des unités un peu d'élite. Donc c'est les unités de conquistadors, vous arriverez directement dessus, vous pourrez facilement les massacrer. Parce que vous arrivez sur les châteaux en fait. Sur les châteaux et ateliers de siège pour être très précis. Et on va pas se mentir, les conquistadors, c'est un peu une... C'est l'unité play en fait, les conquistadors. Il y aura des sacrifices, gars, je sais. Là, je sais que c'est totalement nécessaire pour la suite. En fait. Subit pas mal de dégâts. Là, au moment, la logique, on a que sur plus les unités pour les soigner. Oh oui, maintenant. Ah oui, je suis bête. J'ai oublié qu'on pouvait contourner en fait. Pourquoi tu m'as pas dit que t'avais pas apporté, toi? C'est assez important quand même d'attaquer par où j'attaque, c'est de démolir justement cet atelier de siège. La démolition d'atelier de siège, je vais pas dire que c'est une priorité avant tout. Mais on va pas se mentir, c'est quand même un sacré problème en soi. C'est pour ça que dans les conseils, vous êtes de ne pas tuer les bêtes espagnoles. Peut-être pour pouvoir justement les capturer quand vous attaquerez en base. Voilà. Voilà, les bêtes espagnoles, les captures, ça me fait content. Voilà. Voilà, toutes ces troupes-là ont été soignées. Encore un enclos. Je suis sûr qu'il y en a encore un après. Est-ce qu'il y en a deux? Je suis pas certain. Ça. Eux, par contre, ils vont être soignés aussi.
Il y a quelques tours. Globalement, il n'y a que quelques tours à bombarde qui vous posent problème. Après, une fois qu'elles sont démolies, pas vraiment dire que c'est un problème étant donné qu'elle n'existe plus. Non, il y en a encore une ou deux à droite, des tours à bombarde. Ouais, ici, on va y éviter ce quand même que ça me trouve. Ça fait pas longtemps, il me semble que j'ai... Nous avons capturé 10 chevaux espagnols. Nous sommes riches. Ils ont deux ateliers de siège. Ah non, ils n'en font rien. Ouais, ça passe pas un nouvel atelier de siège. Je crois que je vais pouvoir les éliminer. Hein. Je vais les éliminer parce que. Il n'y a plus assez de chevaux. Pas que je veux pas, mais. On est en train de constater là qu'il n'y en a plus assez. Faire 10. Ah, dommage quoi. On va pas montrer la fin de mission avec la capture des chevaux. Enfin bon, pas grave, c'est le jeu. Il est mort, il n'y a plus rien. Bon, bien sûr. Voilà. Ah, il n'y a plus de chevaux. Voilà, c'est réglé. C'est ici que les Espagnols ont coulé leur navire pour prouver leur détermination à conquérir la mer. Cortés doit être dans les environs. Et même des unités contre moi, c'est... pas que c'est chiant, map. Ah, bah... Non, par contre, on va être obligé de. Ah, j'ai 18. Qu'est-ce que je peux faire? Avec 18. Ça fait chier. Sincèrement, c'est chiant quoi. Bah, vous voyez le nombre de navires de guerre qu'ils ont. Donc, ils ont 3 galions à canon dans le. Bah, qui mouillent ici, qui montent sur Tabasco au début. Ils en avaient 2 autres à eau, ils en avaient encore un ici. En train d'exploiter dehors. Mais non plus. Sincèrement, je fais quoi? Ils ont plus de vie. Oh, il faut encore chuter toujours une unité militaire. On va s'en prendre. Je suis vraiment un gars malchanceux. Tout ça parce que j'ai trop bien été Tabasco au début. Le pire c'est que c'est vrai.
l'aurais moins bien aidé, j'aurais pas autant de soucis maintenant. Là pour... Je me dis pour une fois on va essayer de les sauver. Hop, eux c'est mort. Bah donc les Espagnols les battent c'est vous tuer toutes leurs unités. Enfin bon, c'est pas grave, hein. On va y arriver. La mission est plus longue que prévu. Ah, c'est... Donc vraiment, abandonner Tabasco au début de partie. Et maintenant, je vais devoir faire des ports, construire des navires. Pas vraiment plus facile. Eh ben dis donc, c'était laborieux cette fin de mission. Bien que les guerriers aztèques aient vaillamment combattu ce jour-là, ils étaient effrayés par les bêtes que chevauchaient les Espagnols et par le bruit de leurs armes à feu. Nous avions survécu à l'attaque, mais il m'a tout de même semblé préférable de rentrer à Tenochtitlan afin d'informer l'empereur Moctezuma de tout ce que nous avions vu. Je ne sais pas si mon oncle a agi en poltron, ou s'il a tout simplement essayé de nous préserver de la colère des dieux. Mais il a envoyé d'autres cadeaux à Cortés, tout en l'invitant, à titre personnel, dans notre grande cité. J'étais là quand Moctezuma et Cortés se sont rencontrés sur l'une des chaussées menant à Tenochtitlan. Les Espagnols paraissaient n'avoir jamais rien vu de semblable. Ils regardaient, émerveillés, les marchés colorés, et les pyramides qui se dressaient sur un îlot artificiel au milieu du gigantesque lac Texcoco. Certains se demandaient s'ils ne rêvaient pas. Ils n'avaient même jamais imaginé que de telles splendeurs pouvaient exister. Moctezuma a conduit Cortés au sommet de la grande pyramide, d'où il lui a montré les canaux et les quartiers de la cité. Mais le chef espagnol était surtout intéressé par les objets en or et n'hésitait pas à se servir chaque fois qu'il en voyait un. J'étais maintenant certain que cet homme n'était pas Quetzalcoatl. Ainsi a parlé Cuauhtémoc, guerrier jaguar de Tenochtitlan. Voilà. Faites les murs au début de partie par contre. Faites pas la même erreur que moi. Foutez les deux châteaux dans les angles prévus. Et tout se passera bien. Donc militaire économie, voilà. Toc, 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 tac, et tac. En tout cas, je vous remercie encore d'avoir accompagné cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois pour la suite de la campagne de Moctezuma. D'ici là, portez-vous bien. Et à tout le monde.